Laudetur Jesus Christus, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent via nos radios partenaires en RDC, en Côte d'Ivoire, mais également en France et au Canada, également aux personnes qui nous suivent sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Nous sommes donc ensemble ce matin, comme chaque mercredi matin, pour suivre l'audience générale du pape François. Et ce matin, Marine Henriot avec vous pour vous accompagner. L'audience du pape François qui se tient ce mercredi en salle Paul VI, hiver oblige, il fait à peu près 4-5 degrés en ce moment à Rome, donc les pèlerins ont été invités en salle Paul VI pour suivre le pape François qui continue son cycle de catéchèse, vous le savez, sur les vices et vertus. François qui ce matin va commenter une lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée en ce mercredi, troisième semaine du temps ordinaire, où nous fêtons aujourd'hui Saint François de Sales. Et la lecture que François va commenter est la suivante. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition, car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Voici donc la lecture du jour que François va commenter. On peut donc imaginer qu'on va se pencher aujourd'hui sur l'avarice. Alors pour ceux qui ont les images, vous pouvez voir que les pèlerins sont nombreux en salle Paul VI. Et comme tous les mercredis, il y a également de nombreux jeunes couples mariés. Comme le veut la tradition, les jeunes couples viennent à l'audience, assister à l'audience générale pour recevoir la bénédiction du Saint-Père. Alors en attendant que François arrive d'ici quelques minutes, quelques mots sur l'activité, l'actualité du Vatican ces derniers jours. Vous le savez, dimanche, François a notamment annoncé lancer une année de prière pour préparer le jubilé, pour conduire, nous dirons-nous, au jubilé de 2025. Alors donc comment va se dérouler cette année de prière? Bien hier, les détails ont été dévoilés lors d'une conférence de presse au Vatican. Donc il s'avère que plusieurs documents vont être mis à disposition des fidèles et des diocèses pour aider à célébrer cette année sainte. Également, des écoles de prière vont être mises en place et c'est une idée à laquelle tenait le pape François. Et donc hier, un dicaster pour l'évangélisation qui organise, dirons-nous, qui chapeaute cette année de prière, a expliqué que l'objectif était donc une année pour redécouvrir la valeur de la prière et la nécessité de la prière quotidienne dans la vie chrétienne. Alors vous pouvez l'entendre aux acclamations de la foule, François vient donc d'entrer en salle Paul VI. À pied, il marche d'un pas assez assuré, dirons-nous, avec une canne aujourd'hui et non sur son fauteuil roulant. On le voit très souriant sur les images. Il s'arrête et lance un sourire et plusieurs saluts à la foule. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere Pape François qui va maintenant donner le signe de la croix. La sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo.
Quando abbiamo di che mangiare e di che... Donc vous le savez, l'audience générale est un rendez-vous multilingue, dirons-nous. Donc on va d'abord entendre la lecture de la lecture du jour, donc de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée en plusieurs langues. Là vous l'avez par exemple en italien, nous l'aurons ensuite en français, également en polonais, en portugais, en espagnol, en anglais et en langue arabe. Car évidemment ce sont des pèlerins du monde entier qui viennent déjà au Vatican assister à cette audience, mais également qui nous suivent. Donc l'idée est vraiment d'un événement accessible à tous et que chacun puisse comprendre et partager ce moment de réflexion et de prière. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons-nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Parole du Seigneur. Et aujourd'hui, pour la langue française, c'est donc notre collègue Françoise Niamia de la rédaction francophone de Radio Vatican et de Vatican News. C'est elle qui nous accompagnera ce matin. If we have food and clothing, we will be content with these. But those who want to be rich fall into temptation and are trapped by many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. The word of the Lord. Je vous l'ai dit, donc, le pape François a donc poursuit donc, un cycle de catéchèses sur les vices et les vertus. La semaine dernière, François s'était penché sur la luxure. Il avait expliqué que gagner cette bataille contre la luxure, contre la chosification de l'autre, pouvait être finalement l'affaire du toute une vie. François qui avait également souligné l'importance de réaffirmer la beauté et la dignité des personnes dans les relations amoureuses et surtout qui avaient profité de cette catéchèse sur la luxure pour mettre en garde contre le risque de faire de l'autre un objet. Et puis la semaine d'avant, il y a deux semaines, donc François s'était penché sur la gourmandise, plutôt la gourmandise dans le sens de la voracité, dirons-nous. Il avait expliqué que cette gourmandise, cette voracité, pouvait être un vice très dangereux, peut-être le plus dangereux qui pouvait faire périr la planète, car certaines personnes pouvaient céder, être trop gourmande, dirons-nous, sur les biens de cette planète, un comportement qui compromet l'avenir de tous. Et vous savez évidemment toutes les catéchèses, les vidéos, les explications des audiences générales du pape François sont à retrouver sur notre site internet vaticannews.va, la page en français. Pour les personnes multilingues, il y a 38 langues sur notre site internet, du tamoul à l'arabe en passant par l'hébreu. Voilà. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس إذا كان عندنا قوت وكسوة فعلينا أن نقنع بهما أما الذين يطلبون الغنى فإنهم يقعون في التجربة والفخ
وفي كثير من الشهوات العمية المشؤومة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك لأن حب المال أصل كل شر. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Oto Słowo Boże. Voilà, c'est maintenant donc le pape François qui prend la parole et je vais vous le traduire en direct. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons les catéchèses sur les vices et les vertus et aujourd'hui nous parlons de l'avarice, c'est-à-dire de cette forme d'attachement à l'argent qui empêche l'homme d'être généreux. Il ne s'agit pas d'un péché qui concerne uniquement les personnes qui possèdent un patrimoine important, mais d'un vice transversal qui n'a souvent rien à voir avec le solde du portefeuille du compte courant. C'est une maladie du cœur, non du portefeuille. Les analyses des pères du désert sur ce mal ont montré comment l'avarice pouvait s'emparer aussi des moines. Des moines qui, ayant renoncé à d'énormes héritages, s'étaient attachés dans la solitude de leurs cellules à des objets de peu de valeur. Ils ne les prêtaient pas, ils ne les partageaient pas, et ils étaient encore moins disposés à les donner, même si c'était des tout petits objets. Car ces objets étaient devenus pour eux une sorte de fétiche, comme une sorte de régression à l'état enfant, comme des enfants qui répétaient à propos de leurs jouets, de leur objet, « c'est à moi, c'est à moi ». Une sorte d'accaparement qui enlève de la liberté. Dans cette revendication se cache un rapport maladif à la réalité, qui peut se traduire par des formes d'accaparement compulsif ou d'accumulation pathologique. Pour guérir de cette maladie, les moines proposaient une méthode radicale, mais très efficace. La méditation sur la mort. Quelle que soit l'accumulation de biens dans ce monde, nous sommes absolument certains d'une chose, ces choses n'entreront pas dans le cercueil. Nous ne pouvons pas emmener avec nous les biens, ces biens matériels. C'est là que se révèle l'absurdité de ce vice. Le lien de possession que nous construisons avec les choses n'est qu'apparent, car ce n'est pas nous les maîtres du monde. Cette terre en vérité que nous aimons n'est pas la nôtre, et nous nous y déplaçons comme des étrangers et des pèlerins. Ces simples considérations nous permettent de comprendre la folie de l'avarice, mais aussi sa raison profonde. Elle tente en fait d'exorciser la peur de la mort.
Elle recherche la sécurité en des valeurs qui s'écroulent au moment même où nous les saisissons. Rappelez-vous la parole de cet homme insensé, dont la campagne offrait une récolte très abondante, et il se berçait de pensées sur la manière d'agrandir ses greniers pour y mettre toutes les récoltes. Cet homme avait tout calculé, tout prévu pour son futur, mais il n'avait pas pris en compte la chose la plus sûre de cette vie, la mort. « Tu es fou », avait dit l'Évangile. « Cette nuit même, on va te redemander ta vie et tout ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Dans d'autres cas, ce sont les voleurs qui rendent ce service. Même dans les évangiles, les voleurs font de nombreuses apparitions. Et bien que leur action soit répréhensible, elle peut aussi devenir un avertissement salutaire. C'est ce que Jésus prêche dans le Sermon sur la montagne. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vores et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Toujours dans les récits des pères du désert, on raconte l'histoire d'un voleur qui surprend le moine dans son sommeil et lui dérobe les quelques biens qu'il gardait dans sa cellule. Lorsqu'il se réveille, nullement troublé par ce qu'il s'est passé, le moine se lance sur les traces du voleur. Et une fois qu'il l'a trouvé, au lieu de réclamer les biens volés, il lui remet quelques objets qui lui sont restés en lui disant « Tu as oublié de les prendre ». Nous, chers frères et sœurs, nous pouvons être les maîtres des biens que nous possédons. Mais c'est souvent le contraire qui nous arrive. Ce sont ces biens qui finalement nous possèdent. Certains hommes riches ne sont plus libres. Ils n'ont même plus le temps de se reposer. Ils doivent surveiller leurs épaules parce que l'accumulation des biens exige aussi d'en prendre soin. Ils sont toujours anxieux, car un patrimoine se construit à la sueur de son front, mais il peut disparaître en un clin d'œil. Ces hommes riches oublient la prédication de l'Évangile, qui ne prétend pas que les richesses soient un péché en soi, mais qu'elles sont certainement une responsabilité. Dieu n'est pas pauvre. Il est le Seigneur de tout. Mais, écrit saint Paul, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. C'est ça que l'avare ne comprend pas. Il aurait pu être un motif de bénédiction pour beaucoup. Mais au lieu de cela, il s'est engagé dans l'impasse du malheur. La vie de l'avare est difficile. Je me souviens de l'histoire d'un homme que j'ai connu dans un autre diocèse, un homme très riche. Sa mère était malade. Lui était épousé, marié. Et ses frères et sœurs s'occupaient chacun à leur tour de cette mère malade. La mère qui mangeait un yaourt le matin. Et elle mangeait seulement la moitié le matin pour économiser, pour manger la deuxième moitié du yaourt le soir. Son avarice était à ce point-là. Puis finalement, cet homme est décédé. Et les personnes qui ont participé à son enterrement disaient « Nous voyons que cet homme n'a plus rien. »
perché voleva portarsene tutto con lui. Mais ils n'ont pas réussi à fermer le cercueil parce qu'il avait voulu amener avec lui des objets matériels. Après des années de privation, il voulait emmener avec lui des biens matériels. Alors que non, dit François, sur cette terre, on doit tout laisser. Donc on doit être attentif à cette chose, être généreux, généreux avec tous, et surtout avec ceux qui ont le plus besoin de nous. Merci. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Nous continuons notre catéchèse sur les vices et les vertus et nous parlons aujourd'hui de l'avarice. C'est une maladie du cœur qui n'a souvent rien à voir avec l'argent. L'avarice peut s'emparer des moines qui, ayant renoncé à d'énormes héritages, s'attachent dans leur solitude de leur cellule à des objets de peu de valeur. Pour y remédier, une méthode est proposée, radicale mais très efficace, la méditation sur la mort. Le lien de possession que nous construisons avec les choses n'est qu'apparent, car nous ne sommes pas les maîtres du monde. L'avarice est une tentative d'exorciser la peur de la mort. Elle recherche des sécurités qui s'effritent au moment même où nous les saisissons. Il arrive souvent que ce soit les biens qui nous possèdent. Certains riches ne sont plus libres. Ils n'ont même plus le temps de se reposer. Ils sont toujours inquiets parce que leur patrimoine, construit à la sueur de leur front, peut disparaître en un instant. Dieu seul est riche, et lui seul nous donne les vraies richesses, mais en se faisant pauvre pour nous. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolari ragazzi delle medie e superiori provenienti dalla Francia. Signore, ci dia la grazia di attaccarsi sull'unico vero bene, il suo amore e l'amore per i nostri fratelli e sorelle. Dio benedica. Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les collégiens et lycéens venus de France. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous attacher au seul vrai bien, son amour et l'amour pour nos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments. Voilà, donc vous venez donc d'entendre un résumé de la catéchèse à peine prononcée par le Saint-Père en français. Va suivre ensuite un résumé maintenant en langue anglaise, en portugais, polonais, arabe, allemand, afin que les pèlerins étrangers du monde entier en salle Paul VI puissent suivre avec le pape François. Any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the virtues and the vices, we now turn to greed as an undue attachment to wealth, which hinders us from being generous with regard to others. Greed is not simply a selfish hoarding of money or material objects,
but a distorted relationship with reality and even a form of enslavement. The Desert Fathers saw greed as an attempt to avoid facing the reality of death, which is opposed to Jesus' advice to accumulate treasures in heaven rather than earthly goods. May our use of the world's goods always be marked by evangelical freedom, responsibility, and a spirit of generous solidarity, in imitation of Christ himself, who though he was rich, became poor for our sakes, so that by his poverty, we might become rich. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Scozia, Corea e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Scotland, Korea, and the United States of America. Upon all of you and upon your families. Donc pendant que nous avons donc le résumé en différentes langues de cette catéchèse du pape François, je me permets de vous dire quelques mots sur son agenda pour la suite des prochains jours. Vous le savez donc, demain se clôt la semaine d'unité, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le pape François célébrera les vêpres demain à Rome, non pas à la basilique Saint-Pierre, mais à Saint-Paul hors les murs, comme le veut la tradition. À noter également que jusqu'au 29 janvier, il y a une semaine de dialogue, de prière et de pèlerinage qui se déroule à Rome et à Canterbury, au Royaume-Uni, pour 50 évêques venant de 27 pays. Donc un pèlerinage à l'occasion de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le pape François et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, se rencontreront demain. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe über die Tugenden und Laster wollen wir heute auf die Habsucht näher eingehen. Donc demain, le 25 janvier, ça sera donc le moment fort, le moment de clôture de cette semaine de prière d'unité des chrétiens. Le pape François et l'archevêque de Canterbury chargeront les évêques envoyés deux par deux, donc à Saint-Paul hors les murs, sur la tombe de l'apôtre Paul. Les évêques qui seront chargés d'être des témoins de l'unité chrétienne. Et cet événement est déjà vu comme un moment important et symbolique pour les liens anglicans et catholiques, et également dans l'avancement du dialogue œcuménique. Jesus mahnt uns, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und nun richtet der Heilige Vater seine Grüße an die deutschsprachigen Gläubigen auf Italienisch. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, celebrando quest'oggi la memoria liturgica di San Francisco di Sales, dottore della Chiesa, ricordiamoci che tutto appartiene all'amore. I suoi insegnamenti spirituali ci aiutino a superare i vizi per poter raggiungere la pienezza dell'amore divino. Der Heilige Vater sagte, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, wenn wir heute den Gedenktag des heiligen Kirchenlehrers Franz von Sales begehen, wollen wir uns daran erinnern, dass alles der Liebe gehört. Seine geistlichen Lehren mögen uns helfen, die Laster zu überwinden, um zur Fülle der göttlichen Liebe zu gelangen. Dans son salut aux pèlerins de langue allemande, on a pu entendre que le pape François a salué notamment la mémoire de Saint François de Sales. Je vous le disais tout à l'heure, donc Saint François de Sales qui est fêté aujourd'hui. François de Sales qui était évêque de Genève, docteur de l'Église et fondateur de l'ordre de la Visitation. Il est également vu comme le saint patron des communicants et nous aurons aujourd'hui, à la mi-journée, une lettre du pape François à cette occasion. Pape François qui revient régulièrement aux côtés de saint François de Sales. Vous vous souvenez, il y a maintenant presque deux ans, parce qu'on est en 2024, mais en 2022, il avait consacré une lettre apostolique
à ce saint du XVIIe siècle. Où il saluait cet inlassable pasteur et prédicateur qui depuis son XVIIe siècle, avait encore beaucoup d'enseignements à nous délivrer à notre époque actuelle. Un saint qui avait appris à lire l'histoire et l'habiter avec confiance, disait François dans sa lettre apostolique. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o del valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. Los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia. Este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia, es una ilusión, porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos, pues, que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos. El apóstol Pablo, de quien mañana recordamos su conversión, nos exhorta a trabajar juntos y con generosidad en la construcción del único e indivisible cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias. François qui vient de saluer en espagnol dans sa langue natale les pèlerins de langue espagnole et il en a profité pour revenir sur cette semaine donc de prière pour l'unité des chrétiens, invitant chaque chrétien à travailler dans le partage, la solidarité entre chrétiens. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Falamos hoje sobre a avareza, uma forma de afeição ao dinheiro que impede a prática da generosidade. Trata-se não somente de um pecado capital, mas de uma doença do coração, que faz com que nos apeguemos desordenadamente aos bens terrenos. Para curar-nos desta enfermidade, existe um método muito eficaz: meditar sobre a própria morte. Afinal, o que levaremos deste mundo a não ser o bem que fizermos ao colocar os bens que o Senhor nos concedeu a serviço dos que mais... Vous pouvez maintenant entendre le résumé de la catéchèse en portugais et dans son salut aux pèlerins de langue polonaise, le pape a, comme à son habitude, invité à prier pour la paix et à la fin de la guerre, donc dans ses pensées notamment la fin de la guerre en Ukraine. Et il a également invité à prier pour la journée de mémoire des victimes de l'Holocauste. Cette journée des mémoires aura lieu le 27 janvier, étant 1945 étant la journée de la libération du camp d'Auschwitz. Chiediamo al Signore il dono di avere un cuore distaccato dal bene materiale,
che non accumuli tesoro su questa terra, ma nel cielo. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Peçamos ao Senhor o dom de possuir um coração desprendido dos bens materiais, que não acumule tesouros nesta terra, mas no céu. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها دائماً بصلواتهم إلى والدة الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Je vous rappelle donc que d'ici quelques minutes, vous pourrez donc retrouver sur notre site internet un article sur cette audience générale du pape François qui a commenté dans sa catéchèse ce matin le vice de l'avarice. Et autre temps fort aujourd'hui dans l'actualité vaticane, donc ça sera donc à la mi-journée, nous attendons le message du pape François pour la journée mondiale des communications sociales qui se tient donc à l'occasion de la fête de Saint François de Sales. Alors l'année dernière, le thème était « Parler avec le cœur, selon la vérité dans la charité ». Nous allons voir quel sera le thème porté et choisi par François cette année. Saint François de Sales, qui est donc considéré comme le patron de la presse catholique et des communicants. Tous les ans, à cette occasion, le pape François rédige un message. اقترح الرهبان طريقة جذرية وفعالة جدا وهي التأمل في الموت عند ساعة الموت لا يستطيع الإنسان أن يأخذ معه شيئا من خيراته فهذه الأرض التي نحبها ليست لنا في الحقيقة ونحن نسير عليها غرباء وحجاجا وقال قداسته إن سبب البخل الخفي جدا هو سعي في الإنسان لطرد الخوف من الموت فيبحث عن ضمانات في الأرض ويخطط للمستقبل ولا يفكر فيما هو أكيد أي الموت بعض الأثرياء غير أحرار لأن خيراتهم صارت تسيطر على حياتهم وهم قلقون عليها لأنهم يمكن أن يخسروها الغنى في حد ذاته ليس خطيئة لكنه بالتأكيد مسؤولية الله سيد كل شيء لكنه افتقر لأجلنا وهو الغني لنغتني بفقره هذا الأمر لا يفهمه البخيل الذي كان يمكن أن يكون سبب بركة للكثيرين لكنه دخل في طريق مسدود من التعاسة والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluto i fedeli di lingua araba. Accumulare beni materiali non basta a vivere bene, perché la vita non dipende da ciò che si possiede. Dipende invece dalle buone relazioni, con Dio, con gli altri, anche con chi ha di meno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لا يكفي أن نراكم خيراتنا المادية لنعيش حياة لائقة لأن الحياة لا تعتمد على ما نملكه بل تعتمد على العلاقات الجيدة مع الله ومع الآخرين وحتى مع الذين لديهم القليل بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby starsze i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ramach katechez o wadach i cnotach dzisiaj mówimy o skąpstwie, czyli o przywiązaniu do pieniędzy, które uniemożliwia człowiekowi hojność. Ta wada nie ma nic wspólnego ze stanem konta bankowego. To choroba serca, a nie portfela. Z analiz ojców pustyni wynika, że ogarniała także mnichów, którzy w samotności swojej celi byli przywiązani do przedmiotów. Nie pożyczali ich, nie dzielili się nimi. Jako lekarstwo na tę chorobę mnisi zaproponowali drastyczną, ale skuteczną metodę rozważania o śmierci. Niezależnie od tego, ile zgromadzimy dóbr, pewne jest, że nie zmieszczą się one w trumnie. Jezus w kazaniu na górze głosi: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Możemy być panami rzeczy, które posiadamy, ale często to one w końcu biorą nas w posiadanie. Ewangelia nie uczy, że bogactwo jest złem, ale że wiąże się z odpowiedzialnością. Bóg nie jest ubogi, jest Panem wszystkiego. Ale jak pisze święty Paweł, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Cari fratelli e sorelle polacchi, Cristo ci ha liberati per la libertà e ci incoraggia a vivere nella libertà, a vivere con un cuore libero da ciò che è mondano, cioè da quello che distrugge le relazioni con il prossimo e con il Signore. Accogliete con cuore spalancato il dono della libertà di Cristo. Vi saluto cordialmente e vi benedico di cuore. Voilà, le pape François qui en profite également dans son salut aux pèlerins de répéter un peu le message qui est le cœur de cette catéchèse d'aujourd'hui, de vivre libéré des biens matériels et en toute générosité. L'audience générale du pape François depuis la salle Paul VI qui maintenant d'ici quelques minutes va se terminer. François, aujourd'hui, s'est donc penché sur le vice de l'avarice, poursuivant son cycle de catéchèse sur les vices et vertus. Le pape François qui a expliqué, répété que dans le cercueil, on ne pouvait pas amener nos biens matériels. Donc à quoi bon construire une vie basée sur tous ces biens matériels? Car quand le moment de la mort sera venu, ces biens n'auront plus aucun sens, a expliqué François, ajoutant qu'il valait mieux de vivre un quotidien où chacun était très généreux, surtout avec ceux qui en ont le plus besoin. Ciascuno porta con sé. Sabato prossimo, 27 gennaio, si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Il ricordo e la condanna di quel orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto nella prima metà del secolo scorso aiuti tutti a non dimenticare che le logiche dell'odio e della violenza non si possono mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità. Voilà François qui dans son salut aux pèlerins de langue italienne revient sur cette journée en mémoire des victimes de l'Holocauste qui aura lieu le 27 janvier. L'Holocauste est une négation de notre humanité, dit François.
qui invite également à la fin des guerres. Je pense au Proche-Orient, à la Palestine, à Israël. Je pense aux nouvelles qui viennent de l'Ukraine, tourmentées, surtout aux bombardements qui arrivent sur les civils, qui sèment la mort, qui sèment la souffrance parmi les civils. Je prie pour les victimes et pour leurs proches. Je prie pour tous. Et j'invite tout le monde, surtout ceux qui ont des responsabilités politiques, à tout faire pour mettre fin à la guerre. N'oublions pas que la guerre est toujours une défaite, dit François, toujours. Il y a ceux qui, les seuls qui gagnent, entre guillemets, sont les fabricants d'armes. Enfin, François qui salue les pèlerins de langue italienne, qui salue un groupe de frères capucins qui sont là en salle Paul VI pour assister à l'audience. Également une association de Saint-Michel l'Archange. François qui maintenant, depuis le début de la guerre en Ukraine, tous les mercredis lors de l'audience, a un mot évidemment pour les victimes de cette guerre. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales, dit François. Il nous a enseigné que la perfection chrétienne est accessible à tous, dans chacun stade de sa vie, qu'importe sa condition sociale. Vous aussi, vous pouvez vivre inspiré de ce saint, en ayant confiance en l'amour de Dieu. Je vous donne tous ma bénédiction. Voilà, François, qui conclut ainsi l'audience générale sous les applaudissements de la foule. Je vous laisse profiter des chants. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. François qui vient donc de bénir la foule, concluant ainsi l'audience générale de ce mercredi. Fino a due minuti e chiudiamo il servizio. Grazie e buona giornata. C'est ainsi que s'achève donc cette transmission en direct depuis la salle Paul VI de l'audience générale du pape François. François aujourd'hui qui est donc revenu sur le vice de l'avarice, invitant à vivre une vie de générosité et rappelant que dans une fois que nous aurons quitté cette vie terrestre, nos biens matériels n'auront que très peu d'importance. François qui invite à vivre dans la générosité, surtout envers les plus pauvres.
Le résumé de cette audience générale et toute l'actualité du pape François est à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mercredi et une très bonne semaine. Merci.